Bonjour, aujourd'hui un petit gratin de courgettes et de poireaux. Alors on prend des courgettes, on les épluche, on les épépine. On prend des poireaux, on n'enlève pas les racines, on les effeuille sous un jet d'eau froide en passant le doigt pour enlever toute la terre. Alors on prend les poireaux, on enlève les racines au dernier moment. On les fait passer dans le robot coupe les minceurs le plus petit. Alors, il vous en faut 200 grammes. Ensuite, il vous faut 340 grammes de courgettes émincées au robot le plus fin. Ensuite, on pèse 650 grammes de lait. Dans un faitout, on met le lait, les légumes et on fait cuire. Quand c'est croquant, on éteint le feu. Ensuite, on prend 3 cuillères à soupe bombées de maïzena. On fouette avec suffisamment de lait pour la dissoudre. Puis on l'ajoute au reste. On attend que ça reboue pour voir si c'est assez épais. Voilà, ça boue assez. C'est assez épais, on peut éteindre le feu. Oh, salon poivre, on mélange en goutte, on recommence si nécessaire. On peut servir ce gratin avec des macaronis et des tranches de jambon. Après, si vous voulez, vous mettez dans un plat gratin, vous recouvrez d'emmental râpé, puis vous mettez au four. Le grill du haut, c'est le fonction tournebroche. La fonction tournebroche, tout en haut du four sur la grille. Une fois bien gratiné, bon appétit!